Si vous venez d'acheter un iPhone d'occasion, avec la fonction « Localiser mon iPhone » activée, vous serez surpris de constater que vous ne pouvez pas du tout créer ou vous connecter à votre propre Apple ID. Quel dommage ! Vous essayez de désactiver la localisation iPhone, mais sans succès, car vous n'avez pas le mot de passe associé à l'Apple ID du propriétaire précédent. Alors, est-ce qu'il existe des solutions efficaces à ces problèmes épineux ? Désactivez la localisation de son iPhone dans les réglages. Vous pouvez désactiver la localisation de votre iPhone directement depuis votre iPhone ou iPad uniquement quand vous connaissez à la fois le code accès et le mot de passe de votre identifiant Apple. D'abord, allez dans l'application « Réglages ». Appuyez sur votre identifiant Apple et cliquez successivement sur « Localiser »,« Localiser mon iPhone ». Enfin, désactivez la fonction « Localiser mon iPhone » en saisissant le mot de passe pour confirmer. Cependant, que faire si vous avez le mot de passe de votre Apple ID mais que vous avez oublié le code de déverrouillage? Enlevez la localisation iPhone via le site iCloud.com. Rendez-vous sur le site iCloud.com, ensuite connectez-vous avec votre Apple ID associé à l'iPhone en question. Une fois connecté, vous verrez l'interface ci-dessous. Mail, contact, photo, calendrier, toutes ces fonctions courantes. Cliquez sur l'option « Localiser mon iPhone ». Ensuite, cliquez sur « Tous mes appareils » pour sélectionner celui dont vous voulez désactiver la localisation. Enfin, appuyez sur « Effacer l'iPhone » et confirmez votre choix. Mais comment faire si vous n'avez pas non plus le mot de passe de votre identifiant Apple? Désactivez la localisation de mon iPhone avec AnyUnlock, déblocage iCloud. Si la méthode précédente fonctionne bien en cas de code accès oublié, alors le logiciel AnyUnlock, déblocage iCloud sera la meilleure solution lorsque le mot de passe d'Apple ID est perdu. AnyUnlock Déblocage iCloud vous permet de supprimer la localisation iPhone avec un taux de réussite très élevé. En même temps, ce logiciel fait de votre iPhone un tout nouvel appareil qui ne vous demande plus de l'activer avec l'ancien compte Apple. Voilà, on commence. D'abord, veuillez télécharger et lancer le logiciel AnyUnlock Déblocage iCloud sur Windows ou Mac, puis ensuite cliquez sur l'option Désactiver, localiser mon iPhone. Ensuite, connectez votre iPhone, iPad ou iPod Touch à l'ordinateur avec un câble USB. Une fois votre appareil détecté, veuillez cliquer sur le bouton « Commencer maintenant ». Vous devez ensuite lire attentivement les conditions d'utilisation avant qu'AnyUnlock, déblocage iCloud, ne commence à jailbreaker votre appareil. L'étape suivante, c'est de mettre votre appareil iOS en mode DFU, en suivant les instructions d'AnyUnlock. Une fois en mode DFU, le jailbreak démarrera automatiquement. Après avoir terminé le processus de jailbreak avec succès, vous verrez l'interface ci-dessous. Veuillez cliquer sur le bouton « Éteindre maintenant » pour désactiver « Localiser mon iPhone ». Le processus de désactivation de « Localiser mon iPhone » sera complété en un rien de temps. La fonction « Localiser mon iPhone » devrait normalement être désactivée avec succès. Veuillez vérifier l'état FMI en suivant les instructions affichées sur l'écran et entrer le résultat pour confirmer. Enfin, AnyUnlock supprimera votre identifiant Apple pour rendre l'appareil tout neuf. Une fois la suppression réussie, vous aurez l'interface comme ci-dessous. Cela signifie que vous aurez réussi à désactiver localiser mon iPhone de votre appareil iOS. Merci de votre patience. Si vous avez d'autres questions pour l'utilisation de l'iPhone, abonnez-vous à notre chaîne et visitez le site officiel d'iMobi.